plutôt créer un concept, soit d'ouvrir une sorte de café. Et je ferai appel aux gens les plus démunis, quoi. Ceux qui sont sans emploi, même que ça peut être des SDF, des gens au chômage, et essayer de les remotiver avec moi. J'aimerais qu'un franchiseur m'accompagne dans mon projet. Stéphanie a une idée assez précise de ce qu'elle voudrait faire. Le souci est que le concept qu'elle imagine n'existe pas dans le monde de la franchise et dépendrait probablement de dons ou de subventions pour pouvoir fonctionner. En effet, ce sont les utilisateurs, les clients qui feraient tourner l'affaire de Stéphanie. Cette auberge espagnole fonctionnerait donc de manière irrégulière au gré des contributions de chacun, ce qui suppose de prévoir un personnel d'encadrement très nombreux, voire trop nombreux. On peut être pessimiste sur la possibilité de rentabiliser, de sécuriser une telle entreprise. Il faudrait que Stéphanie se tourne vers des entreprises dites d'insertion, en sachant qu'elles sont quand même soumises aux nécessités de rentabiliser et de pérenniser leur exploitation, et donc un peu moins idéaliste quand même que ce beau projet.